Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Madame, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce samedi 11 novembre. Ça aura été une grande pratique de gestion et de redevabilité. Le président Félix Tshisekedi a présidé probablement le dernier conseil des ministres du quinquennat et le dernier compte-rendu de cette réunion a été fait par le porte-parole du gouvernement avant le début de la campagne électorale. Et puis, nous venons de l'apprendre au nord Bangui, le gouverneur Malomo Mobutu a été destitué par l'Assemblée provinciale. L'organe délibérant reproche à Mobutu sa mauvaise gestion. Fin de citation. Bonsoir à tous. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé vendredi à la Cité de l'Union africaine la 119e réunion du Conseil des ministres. C'était probablement la toute dernière pour ce quinquennat. Les ministres, les acteurs politiques et même lui-même, le président Tshisekedi, entre en campagne dans une semaine. En termes de circulation d'informations et de redevabilité, le compte-rendu de la réunion du Conseil des ministres, livré chaque semaine, aura été une révolution. Rachel Missenga nous en dit plus. Bonjour, ça va ? Ces conseils de ministres sont les derniers avant la campagne électorale. C'est par ces mots que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession, a ouvert la 119e réunion du Conseil des ministres ce vendredi à la Cité de l'Union européenne. Félix Tshisekedi avait instauré au cours de son quinquennat l'évaluation de ses instructions données en Conseil des ministres, un cadre de concertation gouvernementale tous les vendredis de chaque semaine pour des besoins de redevabilité, d'efficacité et d'efficience dans la gestion axée sur les résultats. Une innovation qui a marqué ses premiers mandats du 5e chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notons que cette réunion des conseils de ministres est la dernière avant le coup d'envoi de la campagne couplée présidentielle et législative. Les membres du gouvernement sont partagés entre la gestion de leurs portefeuilles respectifs et la campagne. Conformément à la Constitution et par jurisprudence, les ministres candidats peuvent garder leur poste ministériel pendant la période des campagnes, mais ils doivent se garder d'utiliser le moyen de l'État pour leurs propres fins. La Commission électorale nationale indépendante annonce la tenue des cadres de concertation pour des élections transparentes, inclusives et apaisées avec les candidats présidents, les partis et regroupements politiques et aussi la société civile du 13 au 15 novembre. Cette annonce a été faite par Didi Manara, deuxième vice-président de la centrale électorale. Suivez. Mesdames et messieurs les candidats présidents de la République, mesdames et messieurs les mandataires et représentants des partis et regroupements politiques, et les candidats indépendants, mesdames et messieurs de la société civile, mesdames et messieurs les représentants des jeunes, peuples autochtones et personnes vivant avec handicap. À quelques 40 jours des élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales, la Commission électorale nationale indépendante, fidèle à son engagement d'ouverture et de contact permanent avec les parties prenantes, organise du 13 au 15 novembre 2023 des cadres de concertation avec les candidats présidents de la République, les partis et regroupements politiques et candidats indépendants, ainsi qu'avec la société civile dans sa diversité, pour des élections inclusives, crédibles, transparentes et apaisées. Le cadre de concertation CENI candidat président de la République se tiendra le lundi 13 novembre 2023 à l'hôtel Hilton, tandis que le cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques candidats indépendants, ainsi que celui avec la société civile, se tiendront respectivement le mardi 14 et le mercredi 15 novembre dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Les invitations sont à retirer au siège de la CENI dès ce samedi 11 novembre 2023 à partir de 9h. Il est à noter que chaque candidat président de la République qui le désire devra se faire accompagner d'un seul collaborateur. Cordiale bienvenue à toutes et à tous.
Parlant des élections, vous le savez, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication va organiser 26 émissions portant sur des projets des sociétés de différents candidats à la présidentielle du 20 décembre prochain. Ce sera à partir du 15 novembre. Chaque candidat sera seul face à un panel de 4 journalistes. Le président du CESAC, Christian Bossembe, a procédé vendredi à l'ouverture de la soirée spéciale de tirage au sort pour l'établissement du calendrier d'enregistrement et des diffusions des émissions avec les candidats présidents. Une occasion propice pour les différents candidats de présenter leurs projets de société afin de séduire les électeurs. Des plus amples détails avec Dieudonné Bouanali. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Maître Christian Bossembe, a procédé ce vendredi 10 novembre à l'ouverture de la soirée spéciale de tirage au sort pour l'établissement du calendrier d'enregistrement et de diffusion des émissions des programmes des candidats présidents de la République. Le CESAC, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, organise aujourd'hui la soirée du tirage au sort afin de donner la parole aux électeurs mais surtout aux acteurs et actrices, candidats et candidates à la magistrature suprême de notre pays, à travers le professionnel des médias, de manière à permettre aux Congolais de se choisir en toute liberté leur président. Dans exactement 9 jours, la campagne électorale sera officiellement lancée, offrant ainsi une bonne occasion aux candidats à tous les niveaux de livrer leurs offres politiques pour permettre aux électeurs de confier la destinée de toutes les circonscriptions électorales à ces derniers. En effet, la loi organique numéro 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, spécialement en son article 16, stipule que le CESAC fixe les règles de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales à travers le média audiovisuel et la presse écrite, ainsi que tout autre moyen de communication des masses. En exécution de cette disposition légale, la directive de la campagne électorale à travers le média, adoptée en juin par la plénière du CESAC, précise clairement, en son article 11, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication réunit des candidats ou leurs représentants dûment mandatés pour porter à leur connaissance les dispositions prises ainsi de tirer au sort les dates et l'ordre de passage des interventions. Pour l'élection présidentielle de décembre 2023, 26 candidatures ont été validées et alignées. Il est donc du devoir du CESAC de créer un cadre permettant aux 26 prétendants au fauteuil présidentiel de bien exposer leur programme au peuple congolais. Une occasion propice pour les candidats présidents de la République, dont Noël Tchani, présent dans la salle, de présenter leur projet de société à la nation afin de séduire les électeurs. Le début des enregistrements est prévu pour ce mercredi 15 novembre. Pour ce faire, 12 journalistes ont été sélectionnés par les CESAC pour animer 26 émissions de 90 minutes avec les 26 candidats présidents à l'élection du 20 décembre 2023. Voici les noms des 12 journalistes qui animeront ces émissions. Christian Lusakweno, William Albert Kalingay, Françoise Bouelampangi, Oscar Mbal, Rachel Kitita, Achille Kadima, Thierry Kambundi, Jacques Mouluba, Amina Bayombo, Albert Kambale, Benjamin Yogolelo et enfin Patrick Mulunda Banza. Le CESAC a prévu également 3 journalistes réservistes. Il s'agit de Israël Moutala, Myriam Bokechou et Faustin Koudjessala. À l'issue du tirage au sort, l'ordre d'enregistrement des émissions à la télévision nationale à RTNC avec les candidats présidents de la République sous la supervision du CESAC a été rendu public. Les enregistrements débuteront le mercredi 15 novembre prochain à 10h et prendront fin le 25 novembre. Et à propos du format spécial de débat avec les candidats présidents, quelques personnalités politiques et chefs des institutions citoyennes ont réagi au micro de Géopolis Télévision. Elles regrettent, ces personnalités, l'absence du débat contradictoire entre candidats. Elles ont été interrogées par Dieudonné Bouanali et Stanis Samba.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, va organiser 26 émissions à raison d'une émission d'1h30 par candidat. Chaque candidat fera face à 4 journalistes. Les questions porteront sur 7 thématiques, à savoir politique nationale et réforme institutionnelle, justice, sécurité nationale, stratégie économique, défis environnementaux, diplomatie, promotion de la femme, de la jeunesse et des personnes vivant avec handicap. Ces émissions permettront aux Congolais de comprendre les programmes des candidats afin d'opérer les choix du prochain président en toute responsabilité. Quelques personnalités politiques et des institutions citoyennes ont délié leur langue. Je suis très satisfait de la méthode qui a été utilisée, qui est très transparente. On a trié au sort devant tout le monde. Et je crois que c'est comme ça que les choses devraient se faire dans un pays organisé. Donc je voudrais saluer le CESAC pour cette initiative-là. Mais je continue à être insatisfait de la façon dont on entre dans cette phase de campagne présidentielle. Pourquoi ? Parce que quand on a 26 candidats, je pense qu'il aurait été utile d'avoir des débats entre candidats, débats contradictoires. Et moi, j'ai proposé 4 débats contradictoires successifs, rotatifs, c'est-à-dire un débat à Kinshasa axé, par exemple, sur les questions de politique intérieure et de politique internationale, un débat à Lubumbashi ou à Kolwezi axé sur les questions économiques et minières qui constituent le poumon de notre économie, un débat à Mbujimayi ou à Kananga axé sur les questions de gouvernance, ou aussi des questions de pauvreté, des programmes de réduction de pauvreté. Et finalement, un débat à Kisangani ou bien à Goma qui serait axé sur les questions sécuritaires. Bon, c'est une très bonne initiative du CESAC. Je crois qu'il est important que les candidats s'expriment face au peuple, face aux électeurs, dévoilent leurs programmes, leurs intentions, pour que les candidats les connaissent. C'est un droit pour les électeurs et pour l'opinion nationale de savoir qui se présente devant eux. On a aujourd'hui l'avantage d'avoir une institution de la République qui a pris cette charge-là et qui l'organise de manière à ce que le droit de parole soit équilibré entre tous les candidats, et ça va permettre à ce qu'on ait des élections apaisées, libres et transparentes. C'est ce dont la République démocratique du Congo a besoin. C'est un autre avantage. C'est un bel exercice, c'est un bon début. Nous espérons que tout sera respecté. Et nous, de notre niveau, nous allons aussi veiller à ce que le journaliste fasse le tout dans le respect strict de la déontologie et l'éthique professionnelle, de sorte à ce qu'on ne puisse pas avoir un comportement fâcheux à l'encontre de tel ou tel autre candidat pour pouvoir frustrer en fait les gens. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours cet esprit de vouloir minimiser un candidat, alors que vous avez suivi dans la salle, tous les candidats, lorsqu'ils vont pendant les élections, ils sont égaux. C'est qu'il faudrait, il faut leur donner la même chance. Rendez-vous le mercredi 15 novembre pour les premiers enregistrements. Les députés nationaux ont pour la 1e fois décidé de la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est le vice-ministre de la Justice, Tade Mambulao, qui a, du haut de la tribune de la Chambre basse du Parlement, présenté l'économie de ce projet de loi. Didier Ilunga et Rachel Missenga. C'est au cours de la plénière de ce vendredi 10 novembre 2023 que les élus du peuple ont autorisé pour la 1e fois la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Rose Mutombo, la vice-ministre de la Justice, a présenté l'économie de ses projets de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Sur 338 députés ayant pris part à la plénière sur la prorogation de l'état de siège, 332 ont voté oui, 4 députés ont dit non et 2 ont voté abstention. Les projets de loi sera transmis au Sénat pour seconde lecture. Rappelons que le chef de l'État avait, par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, proclamé l'état de siège dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu, qui sont le théâtre de l'activisme de groupes armés ainsi que les terroristes M23-RDF. Ce régime d'exception fait l'objet de prorogations tous les 15 jours.
Depuis son instauration le 6 mai 2021, une mesure qui a remplacé les autorités civiles par une administration militaire. Il a été la voix de la RDC en Arabie Saoudite à l'occasion du sommet que Riyad a organisé avec le continent africain. Vital Kamerhe, vice-premier ministre, ministre de l'économie, a lancé un appel émouvant auprès de tous les chefs d'État et de chefs de délégation à ses assises, particulièrement aux leaders saoudiens, d'user de leur influence pour faire cesser la guerre à l'est de la RDC. Suivez. Lance un appel pathétique à tous les chefs d'État africains présents à ce sommet et aux leaders saoudiens, d'user de leur influence auprès de l'Ouganda et du Rwanda. Que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo et qu'ensemble nous fassions de la région des Grands Lacs non pas une partie de guerre mais un lieu de développement car Dieu a doté cette partie de l'Afrique des richesses innombrables. Les populations de Masisi et de Ndjuru qui nous suivent à partir de Riyad seront très heureuses de voir enfin la paix poindre à leurs yeux. Dans cette guerre, ni le Rwanda, ni l'Ouganda, ni la République démocratique du Congo n'en sortira vainqueur. Nous ne comptons que les morts, malheureusement, et c'est ça qui fait reculer l'Afrique. Comme je l'ai dit hier à la tribune de Reuters à New York, prenons l'exemple ici de la France et l'Allemagne, qui étaient des belligérants redoutables, aujourd'hui devenus des complices. Et on parle maintenant du couple franco-allemand au sein de l'Union européenne, qui œuvre non pas pour rendre la guerre possible, mais pour œuvrer pour le développement de l'Europe. Africains, réveillons-nous et aimons l'Afrique avec la volonté de toutes les parties. C'est possible. L'Afrique ne peut plus continuer à déstabiliser l'Afrique. C'est contraire à la volonté des pères de nos indépendances. Et puis, une brève dans ce journal, le chef d'état-major, le général Christian Tshiwewe, a clôturé ce samedi sa visite d'inspection et de commandement à Goma, dans le Nord Kivu. Il a visité les positions des FRDC sur les théâtres des opérations. Le chef d'état-major, le général Tshiwewe, a réarmé moralement les troupes avant de s'envoler pour Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Et puis, je l'avais en titre, nous venons de l'apprendre, le gouverneur de la province du Nord-Ubangi, Malo Mobutu, a été destitué par l'Assemblée provinciale au cours d'une plénière ce samedi. Sur les 18 députés de l'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi, 10 ont voté pour l'adoption d'une motion de défiance initiée à l'encontre du petit-fils du feu maréchal Mobutu. La motion a été déposée le 7 novembre dernier au bureau de l'organe législatif. Le contenu de cette motion accuse Malo Mobutu, je cite, de mauvaise gestion, détournement et incompétence. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières congolaises. Place à la page internationale. Unis sur le changement climatique se tiendra à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre prochain. Près de 40 compagnies pétrolières et gazières ont été présentes en Égypte lors de la conférence sur le climat, la COP 27, pour discuter de la réduction de la production du pétrole et de gaz dans le monde. Blaise Kouzola. Connecter les marchés africains, c'est le thème de la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine
qui s'est ouvert le 9 novembre au Caire en Égypte. Cette plateforme unique vise à promouvoir le commerce et l'investissement dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Cette année, la foire commerciale intra-africaine devrait accueillir plus de 1 600 participants de 55 pays africains ainsi que 35 000 visiteurs. Africa with its vast natural resources. L'Afrique avec ses énormes ressources naturelles, une population très jeune et une diversité culturelle inégalée présente un potentiel de croissance important. Même pendant trop longtemps, nos économies ont été dépendantes des marchés extérieurs. Ceci nous a privés de l'opportunité de commercer entre nous et de bénéficier de toutes les richesses entre nos frontières. Le temps du changement est déjà arrivé. The time for change has come. La foire commerciale intra-africaine réunira des experts et des décideurs internationaux pour discuter des opportunités de commerce et d'investissement sur le continent. L'événement comprendra des sessions sur la ZLECAF, l'industrie créative, l'entrepreneuriat, allant de l'agriculture à l'agrotransformation, à l'automobile et aux industries culturelles créatives. 43 milliards de dollars de transactions commerciales et d'investissements sont attendus au terme de cette édition. Le thème de l'édition 2023 de la foire commerciale intra-africaine ouvre également des opportunités pour le commerce interafricain de produits et services culturels et créatifs. À l'Union africaine, nous nous sommes également engagés à améliorer l'accès aux marchés internationaux des produits de nos industries créatives dans le cadre de notre programme de développement et de diversification des exportations. Vous l'avez certainement corrigé avec moi, c'était plutôt le reportage de nos confrères d'Africa 24 sur la foire commerciale tenue en Égypte pour renforcer le commerce intra-africain. Venons-en maintenant à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui se tiendra à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre prochain. Près de 40 compagnies pétrolières et gazières étaient présentes lors de la foire pour la même conférence. En Égypte, la COP27 pour discuter de la réduction de la production du pétrole et gaz dans le monde. Cette fois-ci, ce sera la voix de Blaise Kouzola. La conférence des Nations Unies sur le changement climatique, COP28, se tiendra à Dubaï à la fin du mois de novembre. Près de 40 compagnies pétrolières et gazières étaient présentes en Égypte lors de la conférence sur le climat, la COP27, pour discuter de la réduction de la production de pétrole et de gaz dans le monde. Détail non négligeable, Sultan Al-Jaber, le président de la COP28 qui aura lieu du 30 novembre au 12 décembre, est aussi le patron de la compagnie pétro-gazière Emirati ADNOC. L'agence de presse Associated Press a examiné les investissements de ces entreprises dans les énergies vertes ainsi que les priorités énoncées dans les rapports annuels. Elle doute que les compagnies pétrolières et gazières soient réellement engagées dans une transition vers les énergies renouvelables. Les entreprises n'investissent que rarement, voire pas du tout, dans les technologies vertes. La plupart de leurs investissements, qui se chiffrent en milliards de dollars, concernent la prospection, l'extraction et le raffinage du pétrole. Selon Pringaman, si les entreprises sont réellement incitées à opérer la transition et à utiliser leur capital et leur savoir-faire à cette fin, elles se heurtent à la résistance des actionnaires. Cela s'est traduit par l'abandon de certains des plans les plus ambitieux parce que les actionnaires disent que cela signifie que vous allez gagner moins d'argent au cours de 5 ou 10 prochaines années et que nous devons augmenter la production. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle deux principaux titres. Ça aura été une pratique de gestion et de redevabilité exceptionnelle. Le président Tshisekedi a présidé probablement le dernier conseil des ministres du quinquennat et le dernier compte rendu de cette réunion a été fait par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Et puis vous venez de nous suivre, nous venons aussi de l'apprendre. Le gouverneur Malo Mobutu a été destitué de la province du Nord-Ubangi par l'Assemblée provinciale. L'organe délibérant reproche à Malo Mobutu, je cite, sa mauvaise gestion. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.